Hello les amis, bonsoir à vous, c'est Jean-Phi ici, votre coach en marketing relationnel préféré. Alors attendez, on va changer la source du son parce qu'on a un petit souci. Ravi de vous retrouver, un réel plaisir comme à chaque fois. Alors, on a perdu le son. Hop, voilà. Voilà, autant pour moi. Et voilà. Ravi de vous retrouver, pardon hein, pour la petite mésaventure ici auditive. Bonsoir à Jessica, bonsoir à Wald, effectivement, c'est du Strauss, c'est pas Wagner, c'est du Strauss. Puisque nous avons reçu un avertissement il y a quelques jours par rapport à Facebook qui a retiré une des vidéos sur laquelle il y avait une œuvre qui est protégée par des droits d'auteur, eh bien, il a été question de faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité pour trouver une solution concernant des œuvres agréables, connues, mais qui ne sont plus soumises à la protection des droits d'auteur. Et là, on a tout ce qu'on désire trouver dans le répertoire classique. Et donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Alors, est-ce que vous entendez bien le son là, du coup? Pas très fort, hein? Pas très fort. Ok, allez, on est parti. C'est une longue formation aujourd'hui parce qu'il y a pas moins de, regardez, 7 livres à aborder, 7 livres, et ça n'a pas été simple de les choisir, de les sélectionner. Il y a quelques auteurs et quelques ouvrages assez extraordinaires que ça fait de la peine de les laisser là sur le côté, mais bon, ils ne sont pas dans le top 7 de votre serviteur, c'est pas grave. Et alors gardez bien aussi à l'esprit que ce top 7, il est subjectif, puisque c'est une considération somme toute, toute personnelle. Et donc, si vous avez de meilleures propositions ou si vous avez un top 7 qui vous semble être plus adapté, eh bien, libre à vous de ne pas vous fier à ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Allez, on commence comme d'habitude par souhaiter la bienvenue aux 258 nouveaux membres de cette page, puisqu'il y a quelques jours, nous avons dépassé la barre des 28 000 fans sur la page Jean-Phi, votre coach en marketing relationnel. Et donc, bienvenue à vous si vous faites partie de ces nouveaux arrivants. Vous êtes ici chez vous. Cette page Facebook est un endroit que nous partageons tous ensemble, sur lequel il y a une super ambiance et des informations et des publications très intéressantes et une entente vraiment très cordiale, à condition que vous puissiez respecter deux règles toutes simples. La première est de ne pas mentionner le nom de votre entreprise ou de vos produits, donc de ne pas essayer de faire de la publicité. Donc vraiment, retenez-vous de faire ça. Et la deuxième règle, c'est de bien vouloir vous retenir, d'essayer de débaucher qui que ce soit. Tous les participants à cette page sont heureux de l'opportunité qu'ils défendent, s'y sentent comme des poissons dans l'eau, et donc de toute façon, vous allez perdre votre temps. Mais en plus de ça, si vous ne respectez pas ces deux règles, eh bien, les 28 000 autres membres qui participent très régulièrement à nos réunions et à nos rendez-vous, comme le MLM en nous, chaque dimanche soir à 21h, eh bien, ils vont vous tomber sur le dos et vous faire passer un sale quart d'heure. Alors ce soir, c'est une grande première. Nous diffusons en direct, en même temps, sur Facebook, forcément, et sur YouTube. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de vérifier que c'est bien le cas. Mais ça sera le... On va s'en charger dans quelques instants, après la formation. Et pourquoi est-ce qu'il a été décidé de faire ça, une double diffusion de la même chose? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a pas mal qui suivent les activités de votre serviteur et qui n'aiment pas les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter et qui préfèrent l'utilisation, on va dire, plus libre, plus large de YouTube. Donc voilà, pour essayer de les satisfaire, on a décidé de faire une double diffusion. Donc voilà, et comme ça, vous pourrez aussi bien partager sur Facebook que sur YouTube. Alors ce soir, nous allons donc découvrir, à l'occasion de cette nouvelle édition d'MLMons-nous, les 7 livres que tout véritable professionnel du marketing relationnel devrait lire 7 fois au minimum. Au minimum. Alors, on va en parler dans un instant. D'abord, la première question, d'après vous, quel est l'intérêt de lire? Alors, je vois que Hélène nous salue, Samia Doran en Algérie. Bonsoir, Samia, Doran en Algérie. Il y a Adelaine qui vient d'arriver. Il y a Alain qui est là, du Québec, hein, comme d'habitude. Alain, bonsoir et bienvenue. Alors, quel est d'après vous l'intérêt de lire? Quel est l'intérêt de la...
Alors, Didier Laetitien, l'intérêt est de se former. Oui, en effet, ça c'est un des plus évidents. Émilie de Smet, bonsoir de Vendée. Salut Émilie, salut, salut. Karine, apprendre, comprendre, s'instruire, bonne suggestion. Léonisa, qui nous salue du Portugal. Christophe Delannoy, qui évoque la nourriture cérébrale, que cela peut être. Il y a Cynthia de Bruxelles. Il y a Walt qui propose de rester dans le bain en lisant, oui. Hélène, s'enrichir intellectuellement. J'adore lire, dit-elle. Bravo Hélène, félicitations à vous. Véronique, pour s'enrichir l'esprit. Léonisa parle du fait d'apprendre. Gilles, se former. Stéphanie qui parle, qui nous fait des bisettes de Marseille. Laetitia qui parle d'enrichir son vocabulaire. Jérémy, de s'enrichir, d'apprendre, de s'imprégner d'un état d'esprit. Eh bien, Niamor, ouverture d'esprit. Oh là 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 là. Ok, se former, enrichir aussi son vocabulaire. Parfait, merci de vos suggestions et de votre participation. Mais l'intérêt essentiel, tout ce que vous avez dit est évidemment totalement correct, mais l'intérêt essentiel de la lecture, c'est de se plonger dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et c'est une expérience assez extraordinaire d'être en mesure de faire ça. Il n'y a que les êtres humains qui ont cette capacité. Alors prochainement, d'après les scientifiques, on va être en mesure de le faire physiquement, vraiment d'être connecté et de lire les pensées. Donc ça va être comme de la télépathie, sauf qu'il n'y aura aucun mystère par rapport à ça. Et d'après les scientifiques, il sera même bientôt possible de lire les rêves, de se souvenir de nos rêves et de les revivre si le cœur nous en dit. Mais voilà, lire un livre, tenir cet objet dans les mains, c'est se donner la possibilité d'avoir une connexion avec un esprit qui est peut-être plus avancé que nous sur certains points. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital, parce que souvent, on a tendance à oublier qu'on ne peut pas trouver toutes les solutions tout seul. En plus de cela, le livre que vous n'avez pas lu ne peut pas vous aider. Le livre que vous n'avez pas lu ne peut pas vous aider. Vous rencontrez des challenges, nous avons tous des difficultés dans le marketing relationnel, dans la vente directe. Un jour, c'est la difficulté d'acquérir de nouveaux clients, l'autre jour, c'est de renouveler les clients, le jour qui suit, c'est peut-être de trouver des nouveaux partenaires, le jour qui suit, c'est d'encadrer ses partenaires, de motiver une équipe, de se comporter comme un leader, de développer notre leadership, etc. Et donc, tous les livres que vous n'aurez pas lus ne pourront pas vous aider. D'accord? Ensuite, question suivante. À votre avis, pourquoi votre serviteur recommande-t-il de lire 7 fois les mêmes ouvrages? Et ça vaut pour les livres comme les CD, les DVD, les vidéos que l'on peut trouver sur Internet, les vidéos que vous observez sur cette page, que ce soit sur Facebook et maintenant, petite nouveauté sur YouTube. Quel est, d'après vous, l'intérêt de lire 7 fois ou de répéter 7 fois la lecture d'un même ouvrage, d'un même outil? Allez-y. Il y a Val qui dit parce qu'on ne retient que 10%. Bonne suggestion. Ensuite, quoi d'autre comme proposition? Laetitia l'a mémorisé, oui. Karine, parce que chaque fois on n'en retient que 10 à 15%. Yacine, des idées nous échappent à la première lecture. Excellente proposition, Yacine. Thierry, il ne faut pas être pressé de découvrir. Ce qui doit arriver t'attend. Pour que le subconscient enregistre, Didier, c'est au bout de 7 fois que nous retenons l'information. David, parce que c'est au bout de 7 fois que le cerveau l'intègre. Il y a Josiane qui vient d'arriver. Bonsoir Josiane. Eva, pour l'ancrer en nous. Stéphanie, l'intérêt est de conscientiser les apprentissages. Oui, Catherine, pour découvrir les choses différentes à chaque fois. Effectivement, excusez-moi, l'intérêt de répéter une lecture, c'est tout ce que vous avez dit. Donc vous avez tous raison, vos propositions sont excellentes, mais encore faut-il en être conscient et faut-il se le répéter suffisamment. Alors comme vous le voyez déjà, ici on parle de 7 fois. Il s'agit en fait de permettre à notre cerveau et en particulier à notre subconscient de nettoyer toute une série de lavages de cerveau qu'il a subis. Parce que depuis que nous sommes nés, nous entendons toute une série de phrases simples, des concepts simples, que tout le monde dit, que tout le monde croit vrai, mais qui sont faux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point,
le fait de pouvoir relire ou revisionner 7 fois au minimum la même chose, eh bien, ça nous permet d'absorber un petit peu plus. C'est comme lorsque vous regardez un film à la télévision, un film que vous adorez vraiment, eh bien, vous allez améliorer votre compréhension de l'histoire à chaque visionnage. Il y a des détails qui vous avaient échappé lors de la première fois, deuxième fois, troisième fois, qui à la quatrième vous apparaissent, vous sautent aux yeux. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, les psychologues se sont penchés sur ce phénomène. Et en fait, la réponse est très simple. Ce que votre cerveau ne connaît pas, il a tendance à le rejeter ou à ne lui accorder aucune importance. Ou, pire, à dire que c'est faux. D'accord? Donc, rejeter ou dire que c'est faux, c'est à peu près la même pensée. Mais donc, l'intérêt de relire cette fois, c'est de se familiariser avec de nouveaux concepts. Et ce sont de nouveaux concepts, puisqu'ils émanent de l'esprit de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a eu le même parcours que nous, les mêmes besoins que nous, mais qui a eu l'ingéniosité à un moment donné de poser ça sur papier, de retranscrire ça sur un ouvrage, que ce soit un livre, un CD, un DVD, une formation sur Internet. Et cette personne a eu la bonté d'âme de poser ça sur un support qui puisse être lu par la multitude. Or, il faut savoir que l'intérêt de celui qui publie un ouvrage rencontre l'intérêt de ceux qui vont le lire. Parce qu'il y a un grand concept de réussite dans la vie, c'est que pour avoir une vie extraordinaire, il faut se mettre au service de la multitude. Pour avoir une vie extraordinaire, il faut se mettre au service de la multitude. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'auteur, lorsqu'il se met au service de la multitude et qu'il publie un ouvrage, qu'il publie un CD, un DVD, une vidéo ou quoi que ce soit, il se met réellement au service d'un grand nombre, au service de la multitude. Ça a toute une série de conséquences en cascade. Mais ceux qui reçoivent l'information permettent à leurs compétences d'augmenter et donc d'augmenter également l'aura qu'ils ont sur leurs proches, leur famille, leur voisinage, leur entourage, leurs collègues et à un moment donné, un nombre de gens de plus en plus grand. Et donc le lecteur, le récipiendaire de ce contenu extraordinaire, va lui aussi se mettre au service de la multitude et va lui aussi se mettre en marche vers une vie extraordinaire. D'accord? Que pensez-vous de ceci? Ah, il y a Émilie qui parle de prendre ses propres notes. Effectivement, on va y venir dans un instant, Émilie. On va y venir. Vald, je souligne en rouge les perles, comme ça la relecture est plus rapide. Oui, sauf qu'il faut faire attention, Vald. Bonne suggestion, bonne idée, mais qu'est-ce qui vous dit que votre cerveau n'a pas considéré une information comme peu importante, alors qu'à la quatrième lecture, il la considérait comme très importante, parce que cette information est nouvelle et il n'a pas eu le temps vraiment de la considérer avec tout l'intérêt qu'elle méritait. Attention avec ça, la relecture rapide, elle porte bien son nom. C'est une relecture rapide. Et donc, on va zapper toute une série d'informations. Ici, l'objectif, la proposition qui vous est faite, c'est de relire du début à la fin chaque ouvrage, au moins 7 fois. Et ensuite, que faire? Que faire avec les lectures que vous allez vous administrer? Que faire avec toutes ces vidéos que vous allez digérer? Que faire avec tous ces ouvrages, tous ces audios? Que faire? Eh bien, il y a 3 choses très simples. Premièrement, effectivement, Émilie l'a dit tout à l'heure, prendre des notes en parallèle de votre lecture, de votre apprentissage. Prendre des notes, relire vos notes, deuxième point. Et troisième point, mettre vos notes en application. Un livre que vous ne lisez pas ne peut pas aider, mais un livre que vous avez lu et que vous ne mettez pas en application ne vous aidera pas non plus. Il vous aidera juste à avoir bonne conscience. Il vous aidera juste à être une sorte de sage un petit peu plus savant. Mais il ne vous aidera pas concrètement à améliorer votre vie si vous ne prenez pas la peine de mettre en application. Ok? Donc, que faire lorsque vous assistez à une formation, lorsque vous lisez un livre, lorsque vous écoutez un CD, lorsque vous observez un DVD, vous prenez des notes, vous relisez vos notes et vous les mettez en application. Et devinez, pendant combien de temps et combien de fois, hein?
Eh bien, ça va être 7 fois par jour pendant 7 jours au moins. 7 fois par jour pendant 7 jours au moins. Pourquoi ? Pour familiariser votre cerveau à ces nouvelles méthodes, à ces nouvelles compétences, à ces nouveaux angles de vue, ces nouvelles façons d'appréhender votre réalité, d'appréhender votre monde. C'est très, très important. OK ? Donc, on se résume. L'intérêt de lire, c'est d'aller se connecter dans le cerveau d'autres personnes parce que toutes les solutions ne peuvent pas émerger de votre seul esprit. Aussi intelligent et intelligente soyez-vous, tout ne peut pas émerger de votre esprit. Vous devez aller vous appuyer sur les épaules de géants, comme disait Isaac Newton. Deuxième point, il faut lire 7 fois au moins, au minimum, chaque ouvrage de la couverture jusqu'à la dernière page. Et ensuite, il faut prendre des notes, relire vos notes et les mettre en application. D'accord ? L'air de rien, les 5 minutes qui viennent de passer, là, elles sont d'une importance capitale. Elles peuvent littéralement changer votre vie si vous y accordez de l'attention et que vous respectez ces simples règles qui sont en somme pleines de bon sens. D'accord ? Alors, on va attaquer la liste de 7 livres donc, qui sont ici. Hop, 7 livres. J'ai bien lu toutes vos propositions en dessous de l'affiche de la formation de ce soir. Et forcément, ben oui, hein, il y a des grands classiques qui ressortent. Et le premier, eh bien oui, c'est « Comment se faire des amis ». Hop là, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, un livre extraordinaire. Un grand classique parmi les classiques. Si vous n'avez jamais lu, si vous n'avez pas dans votre bibliothèque, courez, achetez-le et lisez-le cette fois. Tenez, on va lire les premières lignes, d'accord ? Les premières lignes du chapitre 1. Vous êtes prêts ? Tonton Jean-Phi va vous faire un tout petit peu la lecture. Chapitre 1. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Le 7 mai 1931, la ville de New York assista à une sensationnelle chasse à l'homme. Après des semaines de recherche, Tugan Crowley, l'homme aux deux revolvers, l'assassin, le gangster qui ne fumait ni ne buvait, fut traqué dans l'appartement de sa belle dans West End Avenue. 150 policiers l'assiégèrent dans sa cachette, au dernier étage de l'immeuble. Perçant des trous dans le toit, ils essayèrent de le faire sortir au moyen de gaz lacrymogène. Puis, ils braquèrent leurs fusils sur les immeubles environnants et pendant plus d'une heure, ce quartier élégant de New York retentit de claquements de coups de feu. Protégé par un gros fauteuil rembourré, Crowley tirait sans relâche sur la police. 10 000 personnes observaient, surexcitées, la bataille. On n'avait jamais rien vu de semblable dans les rues de New York. Après l'avoir capturé, le chef de la police, Mulroney, déclara « Cet homme est un des criminels les plus dangereux que j'ai connus. Il tue pour rien. » Mais lui, Crowley, comment se considérait-il ? Tandis que la fusillade faisait rage autour de lui, il écrivait une lettre destinée à ceux qui trouveraient son cadavre. Le sang ruisselant de ses blessures faisait une traînée rouge sur le papier. Dans cette lettre, il disait « Sous ma veste bat un cœur là, mais bon et qui ne ferait de mal à personne. » Voici les premières lignes du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Allez-y, procurez-le, procurez-vous de ce livre et si vous l'avez déjà, relisez-le. Tout l'intérêt est contenu dans le titre, c'est non pas comment se faire des amis, parce que le titre original c'est How to Win Friends and Influence People, donc ça signifie comment gagner le respect de vos amis, comment gagner des amis et avoir de l'influence autour de vous. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire, nous, dans le marketing relationnel, si ce n'est bâtir un réseau d'amis et gagner en influence? Donc, vous comprenez pourquoi ce livre est en numéro 1 dans la liste des 7 livres à lire. Ah, d'ailleurs, en parenthèse, petite recommandation toute personnelle, si le cœur vous en dit, acceptez ce conseil, lisez ces 7 livres dans l'ordre dans lequel ils vont apparaître ici. Le second livre est « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clason. Un grand classique également parmi les classiques, le voici, « L'homme le plus riche de Babylone ». C'est vraiment une fable pour apprendre à gérer l'argent. Très très utile forcément,
et on va lire les premières lignes ensemble, si vous le voulez bien, ok? Tonton Jean-Phi, en mode lecture. Pardon. L'homme qui désirait de l'or. Bansir, le fabricant de chars de la ville de Babylone, était complètement découragé. Assis sur la muraille qui entourait sa propriété, il regardait tristement sa modeste maison et son atelier dans lequel se trouvait un char inachevé. Sa femme se rendait souvent à la porte. Elle jetait un regard furtif dans sa direction, lui rappelant qu'il ne leur restait presque plus de nourriture et qu'il devrait plutôt être en train de finir le char, c'est-à-dire clouer, tailler, polir et peindre, étirer le cuir sur la roue, préparant ainsi le char pour la livraison, afin d'être payé par son riche client. Cependant, son corps gras et musclé restait immobile, appuyé à la muraille. Son esprit lent se butait à un problème auquel il ne trouvait aucune solution. Je vous répète celle-là. Son esprit lent, attendez, où étions-nous ? Son esprit lent se butait à un problème auquel il ne trouvait aucune solution. Son seul esprit ne trouvait pas de solution. Le chaud soleil tropical, si typique à la vallée de l'Euphrate, s'abattait sur lui sans merci. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et tombaient sur sa poitrine velue. En arrière-plan, sa maison était dominée par les murs en terrasse qui entouraient le palais royal. Tout près de là, la tour peinte du temple de Bel se découpait dans le bleu du ciel. Waouh ! Livre extraordinaire que vous allez adorer lire. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons au menu ? Le fonceur, voici une première illustration, comme vous le voyez ici sur la droite, et une ancienne édition qui est en ma possession depuis un long, long, long moment. Hop ! Alors, le fonceur. On va lire les premières lignes ensemble, d'accord ? Premier chapitre, il s'intitule « Le fonceur ». Monsieur Alden Pyrrhix, qu'on appelle familièrement Capyrrhix, dans les milieux de la vente de gros et de l'expédition du bois de la côte du Pacifique, éprouvait plus d'ennui qu'une poule au milieu de ses poussins. C'est ce dont il entretenait M. Skinner, PDG de la Riggs Lodging and Lumbering Company, la société qui représentait les vastes intérêts de Capi dans l'exploitation forestière. Il parlait aussi sèchement au capitaine de la Blue Star Navigation Company, autre société de Riggs, laquelle représentait les intérêts de ce dernier dans la marine marchande américaine. Monsieur Skinner accueillit le propos de Capyrrhix en silence. Il ne lui était pas apparenté. Matt Pisley, lui, assis, croisa les jambes et soutint le regard de son ingénieux beau-père. « Vous avez des ennuis, railla-t-il, insistant sur le « vous ».« Quelque malheur se serait-il abattu sur vous ?» Ou serait-ce que la nomination de Herbert, et là je vous lis la dernière phrase, Herbert Hoover au poste de secrétaire au commerce, vous gêne. Le fonceur, celui que rien n'arrête, un livre extraordinaire. Ensuite, suivant, Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Le voici, Père riche, père pauvre, et on va lire ensemble les premières lignes du premier chapitre de « Père riche, père pauvre » tel que raconté par Robert Kiyosaki. J'ai deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Il fréquenta ensuite l'université Stanford, l'université de Chicago et l'université de Northwestern pour y faire d'autres études supérieures, entièrement défrayées grâce aux bourses qu'il mérita. L'autre père ne termina même pas sa 8e année. Les deux hommes eurent du succès dans leur carrière, travaillant dur toute leur vie. Tous deux gagnèrent des revenus substantiels. Et pourtant, l'un d'eux éprouva des difficultés financières pendant toute son existence, et l'autre devint un des hommes les plus riches d'Hawaï. L'un mourut en léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille, aux organismes de charité et à son église.
l'autre laissa des dettes à rembourser. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux me prodiguèrent des conseils, mais pas sur les mêmes sujets. Les deux hommes croyaient fermement dans l'enseignement, mais ils ne me recommandèrent pas le même programme d'études. Waouh ! Père riche, père pauvre de Robert. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Un petit peu plus difficile à lire, un petit peu plus lourd, mais, quand on creuse et qu'on relit et qu'on relit, c'est pas compliqué. Bob Proctor, qui est un formateur très célèbre en développement personnel aux États-Unis, qui a notamment fait une apparition dans le film, le DVD Le Secret, Bob Proctor est un immense formateur, un grand philosophe du business. Il considère qu'il doit tout à ce seul et unique livre. Il a d'ailleurs conservé la toute première édition. Il l'emmène partout avec lui. Il la relit sans cesse. Il l'a relu des milliers de fois. Et il la considère, cette édition, comme plus importante que la Bible elle-même. Rendez-vous compte, ce livre que vous voyez affiché ici, certains le considèrent comme le livre le plus important de tous. Okay? Et Bob Proctor, souvent, lorsqu'il a un problème, il feuillette le livre, il l'arrête à n'importe quelle page et hop, il se met à lire. D'accord ? C'est vous dire la puissance de cet ouvrage. Alors, évidemment, j'ai perdu le fil. On va démarrer au chapitre 1, évidemment. Hop. Chapitre 1. Les pensées sont des choses. L'homme qui a pensé son partenariat avec Thomas Edison. En vérité, je vous le dis, les pensées sont des choses puissantes lorsqu'elles sont associées à un but précis et nourries de persistance, de même que d'un désir intense de les transformer en richesse ou en d'autres choses. Il y a un certain nombre d'années, Edwin Barnes découvrit à quel point il est vrai que les hommes qui réfléchissent s'enrichissent. Toutefois, cet apprentissage fut progressif et tout a commencé par un ardent désir de devenir le partenaire d'affaires du célèbre Thomas Edison. Une des caractéristiques principales du désir de Barnes était la précision. Il désirait travailler avec Edison et non pour Edison. Étudiez attentivement le processus par lequel il transforma son désir en réalité et vous comprendrez davantage les principes qui mènent à l'acquisition des richesses. Lorsque le désir particulier ou impulsion de pensée imprégna pour la première fois l'esprit de Barnes, celui-ci n'était pas en mesure d'agir dans l'immédiat. En effet, il fut confronté à deux difficultés. Il ne connaissait pas personnellement Edison et ne pouvait se payer le trajet en train jusqu'à Orange, au New Jersey. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens de chercher de quelque manière que ce soit à réaliser leur désir. Mais celui de Barnes n'avait rien d'ordinaire. Waouh ! Alors dites-moi un peu, on a ici lu les premières lignes de 5 ouvrages. D'accord ? Je vous les montre. Hop, 5 ouvrages. Est-ce que vous avez détecté un point commun ? Allez-y, je vous lis. Allez-y, c'est vraiment important. Avez-vous découvert un point commun à ces 5 premiers livres ? Oui, effectivement, Pascal, Bob Proctor, en tout cas au travers de sa femme, fait du marketing relationnel et recommande effectivement à tout qui veut l'entendre de s'intéresser à ce métier. Et voilà, première bonne réponse, c'est Karine qui dit « Ils racontent tous des histoires ». En effet, ces 5 premiers livres débutent par des histoires et ils en contiennent une multitude. Et pourquoi est-ce que ces 5 livres qui figurent parmi les plus grands best-sellers de toute l'histoire humaine, comment se fait-il qu'ils contiennent tous des histoires, à votre avis ? Je vous lis, allez-y. Oui, Corinne, il commence par une histoire. Léon Isaac qui évoque le fait de servir les autres. Il raconte les histoires de gens qui ont réussi quelque chose. Oui, Pierre. Jérémy nous emmène tous dans une histoire très facile à intégrer. Oui. Quel est l'intérêt de l'histoire ?
L'intérêt d'une histoire, c'est que, comme vient de l'écrire Jérémy, vous êtes, pouf, immédiatement transporté quelque part, dans un lieu magique, dans le lieu qui est décrit, dans l'ouvrage en question. Et donc, tout d'un coup, votre cerveau est en suspension entre la réalité et la fiction. Vous êtes là sans être là. Excusez-moi, pardon. Et donc, vous êtes en train de voyager. Vous permettez à votre cerveau de vous évader. Mais un autre intérêt de l'histoire, de raconter des histoires, c'est que les histoires se retiennent facilement. L'être humain a bâti une civilisation, des civilisations entières, en se racontant des histoires de bouche à oreille. Avant que l'écriture existe, l'être humain a créé toute une série d'histoires et de mythes pour transférer du savoir. Les histoires transmettent du savoir. En tout cas, les histoires bien conçues, bien pensées et bien rédigées. Et c'est le cas pour toutes les histoires que vous allez trouver dans ces ouvrages. Ok ? Livre suivant, Stratégie de prospérité. Alors, je l'ai en anglais. C'est un livre de Jim Rohn, Seven Strategies for Wealth and Happiness. Fantastique bouquin. Rien à voir avec le marketing relationnel, mais tellement utile pour ceux et celles qui veulent réussir dans le marketing relationnel. Cette stratégie de prospérité pour non seulement élever votre niveau financier, mais en plus votre niveau de bonheur. Jim Rohn est un des premiers hommes, un des premiers auteurs à m'avoir fait comprendre que le bonheur n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par chance, le bonheur n'est même pas une chose. Le bonheur s'attire par la personne que l'on devient, mais est impalpable. Le bonheur se trouve dans toutes les petites choses, et ça se cultive au quotidien. Et en fait, le bonheur, si on peut lui donner une définition, c'est la collection de toutes ces petites choses qui vous font du bien, à vous et peut-être à personne d'autre sur Terre et dans tout l'univers. Et Jim Rohn, franchement, un des grands auteurs. Alors, je pourrais vous lire les premiers passages, les premières phrases. Je vais essayer de vous les traduire directement comme ça, faire une traduction instantanée, mais ça n'est pas simple. Mais bon, on va y aller. D'accord ? Le jour qui a tout changé. Peu après avoir eu 25 ans, j'ai rencontré un homme qui répondait au nom de Earl Schoff. Si j'avais su que cette simple rencontre allait changer ma vie à ce point, je n'en savais rien du tout. Jusque-là, ma vie avait été terriblement banale. Comme la plupart des gens qui ont des vies un petit peu grises, avec quelques accomplissements mais mineurs et encore très peu de bonheur. J'ai pourtant eu un merveilleux démarrage. J'ai grandi dans un environnement plein d'amour, d'une petite ferme qui était dans le sud-ouest de l'Idaho, juste à quelques pas des rives de la rivière du Serpent. Et quand je quittais la maison, j'étais empli d'espoir et je me réjouissais pour aller prendre moi-même une bonne part du rêve américain. Bref, encore une fois, pardon, hein, c'est plus lent forcément de traduire en direct, mais encore une fois, un livre qui débute par une histoire. Et alors, quel est le dernier et septième et dernier ouvrage, pardon, que je vous recommande de lire sept fois au moins, en particulier si vous êtes distributeur en marketing relationnel en France, d'accord, en Suisse et en Belgique également, ça vaut, mais en particulier pour la France, eh bien, c'est la vente directe par réseau de Philippe Delay. Philippe Delay, que vous connaissez un petit peu, puisqu'on en a déjà parlé ici. C'est un des intervenants réguliers de nos week-ends de formation qui s'appelle Secret du MLM Event, dont la quatrième édition aura lieu les 14, 15 et 16 octobre prochains à Cannes. Mais je vais vous lire les premières lignes de ce bel ouvrage que vous devez absolument lire plusieurs fois. Opportunités financières et épanouissement personnel.
Avec la vente directe par réseau, toute personne, quel que soit son âge, sa formation, son lieu d'habitation, son origine sociale, ses moyens financiers, peut réussir à gagner son indépendance financière et même ambitionner d'atteindre des niveaux de revenus qu'elle était très loin d'imaginer initialement. De surcroît, cette personne va vivre une aventure humaine qui épanouira sa personnalité, lui donnera l'occasion d'exprimer ses talents, lui apportera un environnement humain chaleureux. Suivant le titre d'un ouvrage récent de Jacques Attali, « Devenir soi », elle va prendre le pouvoir de sa vie. En effet, des entreprises de vente directe par réseau offrent à des dizaines de milliers de gens une opportunité de se créer une indépendance financière grâce à une nouvelle source de revenus, sans qu'elles accompagnent cette offre d'une exigence initiale de quelque ordre que ce soit. Il n'y a pas de prérequis d'âge, de compétences, de diplôme ou de moyens financiers. Et voilà, vous connaissez donc les 7 ouvrages recommandés par votre serviteur à lire dans l'ordre et à lire 7 fois au moins en prenant la peine de prendre des notes sur le côté, de relire vos notes et de les mettre en application. Alors, je vais lire vos commentaires si vous avez des questions. Sachez simplement que pour réunir cette petite bibliothèque, regardez, hop, ça tient dans une seule main. Hop, pardon, voilà. Ça tient dans une seule main. Vous avez les 7 livres ici. Ces 7 livres, c'est une promesse que vous allez entendre ici. Ces 7 livres, si vous les lisez au minimum 7 fois, que vous suivez les conseils que vous avez entendus de prendre des notes, de relire vos notes et de les mettre en application, ces 7 livres vont vous permettre de bâtir la vie dont vous rêvez. Une vie que seul un infime pourcentage de la planète peut même espérer toucher du doigt un jour. Ces 7 livres vont vous donner toutes les clés et tous les moyens pour arriver à une vie extraordinaire. Alors, combien coûte-t-il ? 40 000 euros ? Non. 4 000 euros ? Non plus. 400 euros ? Non plus, même pas. 7 livres pour transformer votre vie. 7 livres simples pour avoir une vie extraordinaire pour un budget de 109,60 €. Et vous n'êtes même pas obligé de tout acheter d'un coup puisque, regardez, comment se faire des amis coûte 5,60 €. Comment se faire des amis coûte 5,60 €. L'homme le plus riche de Babylone coûte 15 €. Un bon repas. Le fonceur coûte, si vous le retrouvez encore, 7 €. Le père riche, père pauvre coûte 20 €. Et ainsi de suite. Réfléchissez à devenir riche, 18 €. Les stratégies de prospérité de Jim Rohn, 15 €. Et la vente directe par réseau de Philippe Delay, 29 €. Bref, pour 109 €, soit l'équivalent d'un bon gueuleton avec un ami ou deux amis, vous pouvez transformer votre vie et avoir un niveau de vie totalement extraordinaire. Rendez-vous compte. Hein ? Ok ? Où pouvez-vous trouver ces livres ? Bonne question, hein ? Très simple. Amazon.fr ou libreentreprise.fr. Allez les acheter, tous. Et vous savez quoi ? Dans la bibliothèque qui se trouve ici, il y a parfois plusieurs éditions du même ouvrage. À votre avis, pourquoi ? Allez-y, répondez en commentaire. À votre avis, pourquoi vous est-il recommandé d'acheter plusieurs exemplaires du même ouvrage? À votre avis. Oui, Anne-Sophie, un livre à la fois que vous lisez 7 fois. Oui. Alors, il y a une question ici. Siegfried. Si on vous a proposé ces livres au format audio et que vous les achetez, pour moi, c'est pareil. Sauf que les audios, voilà, ils vont durer 6 heures, 8 heures, 9 heures. Et donc, pour les écouter 7 fois, ça va être quelque chose. Hein. C'est comme vous voulez. Je préfère personnellement la lecture que l'audio. Mais bon, voilà, chacun sa préférence. Pour varier les plaisirs, non.
Laetitia qui parle de la réédition, non. Et Roland a donné la bonne réponse. Pour les prêter. Un pour vous, un pour faire du bien autour de vous. Une édition pour vous, un exemplaire pour vous, un exemplaire pour prêter à un jour un ami qui vient chez vous et qui a le moral dans les chaussettes, à votre père, à votre mère qui a peut-être une période difficile dans sa vie. Un exemplaire pour vous, un exemplaire à prêter pour faire le bien autour de vous. Et dupliquez ça. Une fois qu'on vous rapporte votre exemplaire, recommandez à votre ami de l'acheter en double exemplaire. Pour un pour lui et un pour prêter. Et comme ça, on peut diffuser ces ouvrages de grande qualité. OK? Alors, si vous avez des questions pendant ce temps-là, permettez-moi, allez-y, d'écrire. Permettez-moi de vous annoncer aussi deux informations importantes. La première, au cas où vous ne seriez pas au courant, comme vous le voyez, les inscriptions pour participer à la formation de Paris le 8 septembre sont ouvertes en streaming. Donc en streaming, ça veut dire vous allez pouvoir participer de chez vous sans vous déplacer. Et on va même faire une expérience d'immersion totale puisqu'il y aura une caméra sur les quatre caméras qui seront installées qui sera une caméra 360 degrés. Donc si vous disposez de ce genre d'outils, on appelle ça un casque de réalité virtuelle, eh bien, vous pourrez tourner la tête à gauche et à droite et observer la salle à 360 degrés. Si vous n'avez pas un casque, ça n'est pas grave. Ça fonctionnera très bien sur votre téléphone. Il suffira de balayer l'écran de gauche à droite, en haut, en bas. Si vous n'avez pas un smartphone, utilisez votre tablette. Ça ira très bien. Allez-y. C'est là que vous allez découvrir, à l'occasion de cette formation en streaming, toute une série de choses très intéressantes. La première, c'est le système que votre serviteur a mis en place pour créer une équipe de 4400 distributeurs, 190 000 clients, qui faisait un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros par mois. Vous allez découvrir, à l'occasion de cette formation, le système exact, step by step, étape par étape, où il avait été mis en place. Et en plus, pour obtenir des résultats pareils, nous avions travaillé sur une région géographiquement très restreinte puisque c'était à peine les deux plus petits départements français. Deuxième fait que vous allez adorer lors de cette formation, c'est que vous allez découvrir une technique infaillible pour développer votre équipe de marketing relationnel sur le marché froid. Vous savez qu'à la base, je ne suis pas un partisan du marché froid puisque quand on se développe bien en marketing relationnel, c'est le bouche à oreille, donc on est toujours sur le marché chaud, donc tous les hommes et les femmes qui vous connaissent par votre prénom. Mais sachez qu'il existe des techniques, et notamment une technique infaillible pour attaquer le marché froid. En finir avec votre peur d'aborder des inconnus et de leur parler de votre opportunité, non seulement vous n'aurez plus peur, mais vous serez enthousiaste et excité à l'idée de raconter quelque chose à vos prospects froids. Et il y a 8 à 9 chances sur 10 qu'ensuite ils acceptent de vous voir à l'occasion pour que vous puissiez leur expliquer vraiment en détail en quoi consiste votre opportunité. Il suffit d'aller sur Jean, c'est seulement les acquéreurs d'un ticket streaming recevront un email personnalisé avec un accès privé à nos serveurs avec un login et un mot de passe pour que vous puissiez retrouver l'information et la visualiser 7 fois au minimum et garder un accès à vie. OK? Autre élément également, c'est que maintenant on va commencer un petit peu pousser la 4e édition du MLM.com/event. D'accord? Et alors, je vous montre ici le petit formulaire d'inscription pour le streaming de Paris le 8 septembre 2009. C'est donc, comme vous le voyez, 47 euros. Et vous avez la possibilité de régler soit par carte de crédit, soit via PayPal. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Je viens tout près de vous. Est-ce que le dernier livre sur la vente directe par réseau est utile si on ne fait que du recrutement de distributeurs et qu'on ne fait pas de vente directe? Alors, Matrix, ça n'existe pas. Quelqu'un, une opportunité en marketing relationnel où on ne fait que du recrutement. D'ailleurs, si vous êtes un habitué de cette page, mais ce n'est peut-être pas votre cas, vous saurez que nous, sur cette page, nous préférons 100 fois l'utilisation du mot parrainage
au mot recrutement. Donc oui, la vente directe par réseau reste un must absolu pour vous. Vous devez absolument comprendre que ce que vous êtes en train de faire n'est probablement pas du marketing relationnel. Désolé de vous décevoir, mais merci d'avoir posé la question. Alors, Pierre, tu as la liste complète de toute ta bibliothèque? Non. Effectivement, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas. J'ai des centaines d'ouvrages. Tout n'est pas derrière ici. Il y a des centaines d'ouvrages, des CD, etc. Alors, Myriam, oui, c'est la même formation qu'à Liège le 10 août. Mais vous, comme vous êtes déjà inscrite à Liège, ne vous inscrivez pas pour le streaming. D'accord? Je vous expliquerai quelque chose lorsque nous nous verrons le 10 août. C'est bientôt, hein? C'est dans 16-17 jours, je pense. Donc, on va bientôt se voir. Donc, la proposition là, de tickets pour Paris en streaming, c'est pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur ticket parce que tous les ateliers sont complets, donc on ne peut plus accepter quelqu'un dans les salles physiquement. Et donc, le streaming, ça vous permet et ça nous permet d'augmenter la capacité des salles de manière virtuelle puisque vous resterez chez vous pendant que nous serons en train de nous promener un petit peu partout et en particulier à l'atelier de Paris. Et donc, oui, vous pouvez participer en restant chez vous, même si vous habitez en Algérie, en Tunisie, en Espagne, au Portugal, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Québec. Oui, vous pouvez participer en vous inscrivant sur jeanphi.com/Paris. OK? Bon, ben parfait. Il y a Véronique qui dit « Comment se faire des amis ?» Elle renote toute la liste. Alors, Soudaïsi, pourquoi le livre 45 secondes n'est pas mentionné? Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est une liste non exhaustive, c'est une liste personnelle, il fallait faire des choix. Il y a toute une série de bouquins qui sont ici à côté de moi sur le bureau tellement j'avais une pile comme ça à un moment donné, même plus grande, et il fallait sélectionner 7. Donc voilà, c'est juste une liste, c'est une recommandation, c'est tout, absolument pas une obligation. Ok, parfait. Oui, Vald, le dernier est aussi vendu par la FVD, mais d'après mes renseignements, vous pouvez trouver tous ces livres-là, tous sans exception. Donc, L'homme le plus riche, Comment se faire des amis, L'homme le plus riche de Babylone, Le fonceur, Père riche, père pauvre, Réfléchissez, devenez riche, Les 7 stratégies de prospérité de Jim Rohn et La vente directe par réseau. Vous pouvez tous les trouver sur libreentreprise.fr, sur amazon.fr. Et si vous voulez uniquement celui-ci, alors oui, la FVD le distribue également. Donc, c'est fvd.fr. Donc, retenez amazon.fr, libreentreprise.fr ou fvd.fr. Et tant que vous y êtes dans les adresses, profitez-en pour aller réserver votre ticket streaming pour l'atelier du 8 septembre à Paris. L'adresse est indiquée ici, jeanphi.com/Paris. Et considérez également la possibilité d'être parmi nous. Nous sommes déjà un peu plus de 140 et nous allons probablement approcher les 200 pour cette 4e édition. Allez jeter un œil sur la page secretsdumlm.com/event. C'était Jeanphi, votre coach en marketing relationnel préféré. Merci infiniment de votre attention. Et avant de partir, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et le bouton « Partager » pour faire évoluer cette page. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.